Je m'installe à mon tour avec plaisir dans cette maison chaleureuse, avec une profonde envie de partager des récits de vie bouleversants. Pour découvrir des histoires. Je ne pouvais pas me déplacer, mes jambes étaient coupées. Je pensais que j'étais folle. On a commencé à parler d'agoraphobie. J'ai fait 3 ans d'analyse. Un souvenir m'est revenu, c'était un viol que j'avais subi à l'âge de 10 ans. J'ai vraiment senti comme si une enclume m'était retirée de la poitrine. J'ai réappris à vivre à partir de cet instant-là. Mais aussi pour mieux comprendre ces parcours de vie hors du commun, grâce à celles et ceux qui ont aidé mon invité à franchir les obstacles et à grandir. L'agoraphobie est une souffrance sans nom. Ne pas pouvoir le partager, je ne sais pas comment, Catherine, vous avez pu continuer à le vivre. Comme quoi, vous avez une force absolument incroyable de base. Une occasion pour chacun d'entre nous de partager mille et une vies. Mais à cet instant précis, j'ignore encore tout des émotions que je vais vivre ce jour-là. Je rencontrerai bientôt Catherine Hamel. Pendant près de 30 ans, cette femme a souffert en silence d'une grave agoraphobie. Durant toutes ces années, il lui était quasiment impossible de se retrouver dans un lieu public. Aujourd'hui, Catherine vient non seulement témoigner de cette histoire, mais surtout de son incroyable guérison. Bonjour Sophie, comment ça va? Très bien, ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Merci de votre confiance de venir chez nous. Je vous remercie de me permettre de témoigner. Allez-y, installez-vous, enlevez votre sac, votre manteau, mettez-vous à l'aise. À l'aise, est-ce que c'est le bon terme là? Je suis à l'aise. Installez-vous là. Là. Pas trop angoissée? Non, pas trop. Alors, si j'insiste sur ces questions, Catherine, c'est que pendant 30 ans, vous avez mené un bras de fer, un combat contre vos angoisses, contre vos peurs. Vous avez souffert d'agoraphobie pendant 30 ans, tout en essayant de mener une vie la plus normale possible, si tant est qu'on peut parler de vie normale, vous allez nous raconter. D'abord, quelle est votre définition de l'agoraphobie? Alors, l'agoraphobie, c'est la peur de se trouver dans un lieu public en général, n'importe quel lieu à l'extérieur de chez soi, où, bien qu'il y ait la présence de différentes autres personnes, on ne pourrait pas avoir d'aide en cas de malaise ou en cas de mort. On sent que vous y avez réfléchi à cette définition. Oui, parce que souvent on pense que l'agoraphobie, c'est la peur de la foule. Or, la foule, non, pas forcément, pas forcément. Alors pourtant, vous n'êtes pas restée enfermée pendant 30 ans. Vous avez, je le disais, tenté de mener une vie de professionnelle, une vie sociale. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples où vos angoisses se manifestaient? Alors, l'angoisse la plus totale, c'était les angoisses de déplacement. C'est-à-dire que pendant 30 ans, je n'ai pas pu prendre le métro. C'était vraiment insurmontable. Même il m'arrivait parfois à pied de ne pas pouvoir aller d'un lieu à un autre. Ah oui. Et il m'est arrivé 2 fois dans ma vie de ne plus pouvoir sortir de chez moi. Alors vous allez nous raconter tout ça, ça paraît absolument impensable. Oui. Vous en parliez autour de vous? Non, justement ce qui a été ma grande erreur, parce que j'avais honte, je pensais que j'étais folle, qu'il ne fallait surtout pas que je montre à mon entourage, que ce soit professionnel ou familial, que j'étais une folle, sinon on m'aurait enfermée. Et donc, j'ai soigneusement caché pendant 30 ans ma maladie. Et à l'époque, le mot agoraphobie n'était jamais prononcé. Mmh. Vous prenez le métro aujourd'hui? Oh, sans problème, sans problème. Je traverse Paris en métro. Alors, vous allez nous raconter comment, enfin, vous avez pu vivre votre vie, comment vous avez surmonté ces angoisses. Oui. Évidemment, le but, c'est que nous en tirons des enseignements. Comment on peut renseigner les proches des personnes qui souffrent de ces angoisses? Bien sûr. On va se poser toutes ces questions. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, mais je vous ai demandé de travailler un petit peu et de vous plonger dans les albums de photos pour choisir les photos qui comptent à vos yeux, qui sont importantes, qui ont jalonné votre parcours. Donc je vais vous laisser aller les observer, laisser remonter les émotions et puis on se retrouve dans le salon juste D'accord. après. D'accord? Entendu. Allez-y. Je ne rêve plus, ne rêve pas, c'est
perdu quelque chose. Je n'entends plus, je n'entends pas cette petite voix qui me disait on aura tout le temps. Mes instants d'oubli, mes espérances, mes belles folies sont-elles à quelqu'un d'autre? Et dans la nuit, sous leur silence, je m'évanouis et je me dis on aura tout le temps. Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent? Où vont les vœux? Est-ce qu'ils reviennent? Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent? J'ai perdu quelque chose. Ça fait, c'est des belles photos. Hein. Tu pourrais les récupérer après? Bah, bien sûr. Super. Quelles sont les émotions qui remontent là? Ah, c'était, j'étais vraiment très émue hein, de me revoir petite avec ma mère, de me revoir avec mes frères, parce que c'est vraiment des souvenirs merveilleux. Hein. Alors, regardez la petite fille qui est là sur cette en photo. Grand, c'est magnifique. Hein. Vous avez quel âge, là, sur cette photo? Je dois avoir 5-6 ans, je pense. Ouais. Qu'est-ce que la femme que vous êtes aujourd'hui, au vu de votre expérience et de la vie que vous avez vécue, dirait à cette petite fille que vous voyez là? Je lui dirais, n'aie pas peur. N'aie pas peur. On peut te protéger. Il faut demander, il faut... Voilà. Catherine est née en 1946 à Neuilly. Issue d'une famille modeste, originaire d'Afrique du Nord, elle est la deuxième d'une fratrie de 3 enfants. Mon frère aîné est né en 1943. Donc un frère aîné. Voilà. Assez souvent malade. Assez souvent malade. Dès la naissance, il a failli mourir. Et ma mère l'a beaucoup protégé, beaucoup chouchouté. Puis vous aviez un petit frère. Et un petit frère qui était beau comme tout, magnifique, un ange blond. Tout le monde le regardait. Et lui, il voulait absolument qu'on le remarque. Il voulait toujours être servi le premier à table. Il voulait toujours avoir plus dans son assiette. Et donc... Vous au milieu? Moi, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard. Je me trouvais pas très jolie. Je me trouvais pas très intéressante. Et pourquoi ça? Vos parents ne vous disaient pas que vous étiez jolie et intéressante? Non, ben, vous savez, à l'époque où j'étais petite fille, on faisait pas grand cas des enfants et encore moins des filles. Vous aviez quel rapport avec vos parents, avec votre père? Alors, avec mon père était quelqu'un qui avait eu une enfance assez difficile et il était très violent au niveau de la parole. Il avait des colères homériques et qui nous terrorisaient, mes frères et moi. Donc, on n'avait pas beaucoup de liens avec lui. C'était quelqu'un qui était, au fond de son cœur, quelqu'un de bon. Mais il avait une espèce de carapace, de violence, de machisme, etc. Et donc, on n'avait pas beaucoup de contact avec lui. Et avec votre mère? Alors, ma mère, c'était une personne qui était extrêmement douce, qui faisait passer ses enfants avant son mari, qui nous câlinait, qui nous écoutait. Une maman fragile? Mais une maman fragile, voilà. Elle était un petit peu dépressive. Elle avait toujours vécu au Maroc avec sa famille. Et là, elle s'est trouvée parachutée dans une famille un peu rigide, en métropole, il faisait froid. Enfin bon, elle n'a pas été vraiment très à l'aise pendant de nombreuses années dans sa vie. À ce mal-être dû au déracinement s'ajoute une terrible maladie, la tuberculose. Nous sommes en 1952 et la mère de Catherine doit être hospitalisée. La petite fille de 6 ans est alors brinquebalée d'une famille à une autre, sans aucune nouvelle de sa mère. Elle en nourrira un véritable traumatisme.
Il a fallu l'opérer. C'était une des premières lobectomies pratiquées en France. C'était donc, une opération très importante. Et alors, ce qui est terrible pour vous à ce moment-là et vos frères, c'est qu'on vous place dans la famille sans vous renseigner. C'est-à-dire voilà, mes frères n'étaient pas avec moi. Ils étaient avec d'autres membres de ma famille. Et pendant plusieurs mois, comme on ne parlait pas aux enfants, bien sûr, moi, j'ai eu l'impression que ma mère était morte. Je ne savais pas vraiment si elle était morte ou si elle était vivante. Qu'est-ce que vous ressentiez ? Je me suis sentie complètement abandonnée. Vraiment, j'étais très triste. J'allais dans une école qui me semblait très grise. Enfin, toute ma vie avait une couleur grise. Et puis cette maman guérie, et voilà. Vous la retrouvez. C'était vraiment le bonheur total. Le bonheur total, mais dans mon inconscient, je me disais... maintenant qu'elle est revenue, il faut vraiment que tu fasses attention à elle. Il faut vraiment que tu la protèges par tous les moyens. Alors concrètement, comment vous la protégiez, par exemple ? Quand mon père lui criait après, moi j'avais tendance à me mettre entre les deux, de façon à ce que à adoucir cette violence. C'était pas ma place. Tard, quand maman a commencé à travailler, j'avais pris en charge le matériel d'une famille de 5 personnes. C'est-à-dire le repassage, les courses, le ménage. Est-ce qu'il y avait des angoisses déjà à cette époque-là ? Non, pas du tout. Et toute ma vie me paraissait normale. Alors, avant justement d'en parler, de ces angoisses, vous grandissez, vous faites des études, qu'est-ce que vous faites comme études ? Alors, j'ai fait une licence de sciences économie à la fac de la rue d'Assas. Vous avez des copains ? J'avais des copains, j'avais des amis, je partais avec eux en vacances au Portugal, voilà. Je prenais l'avion. J'avais vraiment une vie d'étudiante complètement normale, jusqu'à la mort de mon frère. Donc, la mort de votre frère, première tragédie de votre vie, comment vous la prenez ? Mon frère aîné était parti en week-end et donc il devait rentrer le lundi matin. Le lundi matin, personne n'arrive. En fin d'après-midi, j'ai reçu un appel me disant qu'on devait venir immédiatement à l'hôpital d'Evreux parce que le corps de mon frère, après un accident de voiture, y avait été transporté et qu'il était mort. Donc à ce moment-là, je me suis sentie mais totalement pétrifiée, glacée à l'intérieur, et je me suis demandé comment je pouvais annoncer cette nouvelle à ma mère et à mon père. Ça a été je n'en ai plus le souvenir très exact parce que ça a dû être de comment vous leur avez annoncé. Ça a dû être tellement horrible que ça s'est gommé de ma mémoire. Aux côtés de sa famille, Catherine essaye de faire le deuil de ce frère mort à 25 ans. Étrangement, c'est quelques mois après le drame, au moment où la jeune femme renoue avec la vie, qu'elle fait sa première crise d'agoraphobie. Catherine a 23 ans. Je devais aller visiter Londres. Après avoir déposé mes bagages à l'hôtel, j'ai pris un taxi, le fameux taxi londonien noir, et j'ai voulu mettre mon pied à l'intérieur du taxi, et là, c'est comme si c'était un film au ralenti. C'est-à-dire que plus j'approchais mon pied du taxi pour pouvoir m'asseoir dedans, et là, j'ai commencé à avoir le cœur qui battait à 100 à l'heure, d'avoir les mains qui transpiraient, d'avoir la gorge nouée, d'avoir des papillons noirs devant les yeux, le ventre qui se crispait, comme si j'étais tétanisée. Jamais vous n'aviez j'avais jamais eu aucun symptôme de ce type-là. Aucun, jamais. Ça pourquoi, a été... pourquoi à ce moment-là, selon vous ? Qu'est-ce qui se passait dans ce taxi ? Qu'est-ce qui pouvait vous angoisser ? J'allais aller dans une... j'y suis allée dans des circonstances un peu particulières. J'allais rejoindre un ami. Un copain qui devait devenir ce week-end-là un petit copain. Ah oui, donc il y avait une petite angoisse. Et ça me terrorisait quand même beaucoup. D'accord. Et donc, tout ça, ça a été un déclencheur. Je me suis dit, si tu t'installes dans ce taxi, tu meurs.
tu tombes dans les pommes et tu meurs. Je suis re-rentrée dans l'hôtel et là, la femme qui tenait l'hôtel a vu que j'étais complètement décomposée et que j'étais vraiment très mal. Et donc, j'ai fini à l'hôpital où là, on m'a passé des radios, on m'a fait des analyses de sang. Et en fait, on s'est aperçu que j'avais absolument rien. Donc, on m'a fait une piqûre de Valium. Et mon copain est revenu me chercher. Et dès le lendemain matin, nous sommes rentrés à Paris. Et notre idylle s'est terminée là. Ah bon ? Oui. Le charme était rompu. Les années passent et les crises d'angoisse ne s'arrêtent pas. Catherine ne sait pas encore par quoi elle est atteinte. Pourtant, au prix de stratégies pénibles pour tromper la peur, elle parvient à travailler comme ingénieure. Mais en 1974, 6 ans après la mort de son frère, une nouvelle tragédie va aggraver son état. Donc, il y a un deuxième drame qui se profile dans votre vie. Votre oui. maman disparaît. Là, qu'est-ce que vous ressentez oui. à ce moment-là ? Là, quand mon père et ma mère ont été emmenés par une lame de fond sur une plage à Agadir, et bien là, ça a été vraiment comme à la mort de mon frère, si vous voulez. Quand je me suis rendu compte, je ne me suis pas rendu compte, il y avait un attroupement sur la plage. Je ne me suis pas rendu compte au départ que c'était mes parents. J'avais mes 2 neveux aînés dans les bras. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas mes parents, ça peut pas être vrai. Donc, je me suis raidie. Et j'ai fait comme si de rien n'était, de façon à ce que la perturbation de mes neveux ne soit pas aussi intense que toutes les perturbations que j'avais pu vivre dans mon enfance. Vos parents avaient quel âge quand ils Alors, mes parents avaient 57 ans. Donc jeunes. Jeunes, oui. Et moi, 31. Et alors, quel impact ça a ? J'avais vraiment l'impression que mon monde là s'écroulait définitivement. Mmh. La mort de mon frère l'avait fait à moitié écrouler et là, c'était vraiment un écroulement définitif. Mmh. Et en même temps, j'avais de la colère, parce qu'elle m'avait encore une fois abandonnée. J'imagine que ça a un impact sur vos angoisses, tout ça. Ah bah tout ça, les angoisses sont vraiment... Ça s'est aggravé, mais pas autant que la gravité de l'événement, parce que... J'étais tellement occupée, il y avait tellement à faire. J'étais ingénieur conseil et donc j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé en Algérie. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était en 1974. Et là, j'ai eu des crises de panique abominables. C'était le Ramadan, il n'y avait pas une femme dans les rues. Enfin bon, toutes les circonstances étaient là pour que les crises de panique soient vraiment à leur paroxysme. Et en rentrant de ce voyage-là, j'ai décidé de plus jamais prendre l'avion. Hein. Voilà. Mais est-ce que vous mettiez un nom sur ces crises ? Non. Est-ce que vous avez essayé de savoir ce qui vous arrivait ? Ou est-ce qu'au contraire, vous enfouissez tout cela ? J'ai vu mon médecin généraliste qui m'a fait passer par les mains d'un cardiologue à cause des palpitations, d'un stomatologue à cause des problèmes digestifs, etc., etc. Ils ne m'ont jamais rien trouvé. Quand j'étais occupée toute la journée, là, ça allait à peu près. Mais quand je me retrouvais seule chez moi, j'étais très angoissée. Je me réveillais la nuit complètement en nage, avec le cœur qui battait à 100 à l'heure. J'ai eu beaucoup de difficultés. Les crises de Catherine deviennent incessantes. Elle réduit ses contacts avec le monde extérieur. Elle a désormais une peur panique des moyens de transport. 2 ans après la mort de sa mère, à 32 ans, elle finit par perdre son travail. Pour en retrouver un autre, elle va devoir affronter son handicap. Vous avez dû passer des entretiens d'embauche. Tout à fait. Et là, il fallait y aller seule. Comment vous Eh bien, j'ai eu la chance à ce moment-là de vivre avec un homme qui m'a véhiculée à chaque fois que j'en ai eu besoin. Vous lui disiez quoi ? Ben, je lui avais... Là, j'ai expliqué mon mal-être. Hein, à cet homme-là vous À cet homme-là. J'ai eu 2 hommes dans ma vie avec lesquels j'ai vécu un moment. Et là, j'ai été obligée à ces 2 personnes, et uniquement ces 2. Vous leur disiez quoi précisément ? Ben, je leur disais que je ne pouvais pas me déplacer, que mes jambes étaient coupées. Et cet homme avait vécu la même chose à la suite de son divorce. Et il m'a énormément aidée. Donc, j'ai retrouvé très vite du travail et je me suis relancée à corps perdu. Dans mon travail. Alors, qu'est-ce que vous éprouviez au fond de vous
face à ces angoisses? Quel sentiment dominait? Alors, je pensais que j'étais folle. Mmh. Et j'ai soigneusement caché, que ce soit dans mon travail, ma famille, mon frère, ne s'est douté absolument de rien. Vous parlez de la colère aussi? Oui, c'était des colères que je n'avais pas pu exprimer enfant et qui, à l'âge adulte, s'exprimaient contre tout le monde. Vous parleriez de violence aussi? Ah oui, malheureusement, mes colères avaient une violence verbale. Je disais toujours que j'envoyais des scuds. Mais un peu comme votre père quand même, tout ce que vous décrivez complètement, là. Complètement, mais complètement. Je reproduisais les colères de mon père qui étaient vraiment homériques. Mmh. Dans mes professions, vraiment, j'ai terrorisé plusieurs personnes. Hein, j'en suis vraiment pas fière. Hein. Est-ce que c'est lié aux angoisses, ça, lorsque vous êtes en colère? En fait, si vous voulez, mes peurs ont engendré mes colères irrépressibles, insurmontables. Hein. Alors parfois c'était des colères verbales, la plupart du temps heureusement, parfois c'était des colères qui m'amenaient jusqu'à frapper des gens. Dans quelles circonstances? Des circonstances d'injustice. Hein. Mmh. Par exemple, un jour j'étais sur un passage piéton, je traversais tranquillement, une voiture recule, elle a failli m'écraser, j'ai ressauté sur le trottoir pour ne pas être écrasée, et la jeune femme, au lieu de me faire un petit signe d'excuse, un grand sourire ou quelque chose, elle me fait un bras d'honneur. J'ai frappé dans sa portière, j'ai fait des trous. Non. Oui. Donc vous deviez avoir une puissance. Ah. Mais vous savez, quand on est en colère, c'est ce qu'on dit, hein, la colère ou la peur, ça décuple les forces. Le moment est paradoxal. D'un côté, Catherine s'isole et de l'autre, elle monte sa propre entreprise avec son frère. Ils prennent des bureaux très près de chez elle afin d'éviter les déplacements. Sa vie devient une lutte quotidienne contre la maladie. Vous avez monté une entreprise familiale, vous avez travaillé au sein de cette entreprise. Oui. Vous exercez quelle profession? Directeur financier. C'est rassurant de s'atteler aux chiffres. C'était un... Voilà. Je n'avais pas à voyager parce que j'habitais à côté et que mon travail était sédentaire, malgré tout. Donc j'étais obligée de temps en temps d'aller dans des rendez-vous à Paris, où là, je prenais ma voiture quand je le pouvais, ou je devais prendre des taxis parce que je ne pouvais pas me déplacer autrement. Comment ça se passait quand vous preniez votre voiture? Alors, la veille au soir, je prenais un anxiolytique qui me permettait de passer une nuit à peu près correcte. Et quand j'étais à mon bureau le matin, j'étais tellement occupée que je ne sentais pas mes angoisses remonter. Donc après le déjeuner, je tentais de prendre ma voiture. Et là, j'avais réfléchi à un plan B. Je me disais, bon, à tel endroit, tu as des stations de taxi. Si vraiment tu es très mal, hop, tu laisses ta voiture, tu prends un taxi. Un peu plus loin, je me disais, bon là, j'ai ma tante Intel qui habite avec mes cousines. Donc là, si jamais je suis très mal, je laisse ma voiture et je vais les voir. Voilà. Et ça veut dire que vous passiez votre temps à élaborer des stratégies pour, au cas pour juguler, pour éviter que la crise d'angoisse me coupe les jambes et que je sois obligée de m'arrêter dans mon transport. Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple? Ça se traduisait comment? Au volant de votre voiture? On a les jambes qui flageolent. On a l'impression qu'à l'intérieur du tube digestif, là, il y a des choses qui se nouent, qui se serrent. Donc, après, on a le cœur qui se met à battre, mais on transpire. Ça, en vous écoutant, on se dit ça n'empêche pas de conduire, ça, d'avoir, puisqu'on est assis. Mais vous avez des crises de tétanie au niveau des bras. Donc, les bras se rigidifient totalement. Vous avez des papillons devant les yeux. Donc, c'est extrêmement dangereux. Est-ce que ça s'exerçait aussi, ces crises d'angoisse, quand vous étiez au contact des gens? Alors là, jamais. Il m'est arrivé de donner des conférences, en particulier au Salon de la franchise, de parler devant des centaines de personnes, sans aucun souci, sans aucune appréhension. Mais j'étais incapable d'aller de mon bureau jusqu'à la porte de Versailles où se tenait le Salon de la franchise. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui provoquait l'angoisse? C'était d'être C'était le fait d'être à l'extérieur, c'est-à-dire je devais sortir de mon cocon de sécurité. Le cocon de sécurité, c'était soit ma maison, soit mon bureau, soit ma famille. Et quand je devais sortir d'un de ces trois cocons, là, l'anxiété commençait. Alors,
toutes mes crises d'anxiété ne se transformaient pas en crises de panique, heureusement. Hein, mais c'était quand même 80% du temps. Grâce à son cocon, Catherine tient en respect son agoraphobie sans avoir besoin d'en parler à personne. Elle-même ne sait d'ailleurs toujours pas de quoi elle souffre exactement. À cette époque, elle devient experte dans l'art de la dissimulation. Votre vie sociale, vos amis, est-ce que ces angoisses impactent cette vie sociale ? Forcément. Forcément, parce que je ne pouvais pas accepter des invitations en week-end, par exemple, à la campagne chez des amis. Il fallait toujours qu'on vienne me chercher, que l'on me raccompagne pour aller dîner, pareil, de la même manière, chez des amis. Il fallait que quelqu'un me véhicule. Je ne pouvais pas me véhiculer toute seule. Mais comment vous vous justifiez auprès de vos amis ? Vous leur dites la vérité ? Non, je ne l'ai jamais dit à personne. Jamais, jamais, jamais. Pendant 30 ans ? Pendant 30 ans. Pourquoi ? Parce que j'avais honte. J'avais honte et j'étais persuadée que j'étais folle. Plusieurs millions de personnes prenaient tous les jours le métro parisien et moi j'en étais incapable. Autour de vous, vos amis, votre famille, on ne vous pose pas de questions ? On ne trouve pas que parfois vous avez un comportement bizarre ? On ne s'inquiète pas ? Alors, ma famille et mes amis voyaient bien qu'il y avait une souffrance. Hein. Et puis, non, ils ne se sont pas trop posé de questions. Enfin, je ne crois pas. Donc, vous diriez que pendant 30 ans, vous avez... été la reine des menteuses. Incroyable. Part. Donc, ça devait vous demander une énergie d'élaborer vos mensonges, de préparer vos stratégies, d'anticiper tout ce que vous alliez faire. De mettre un pied devant l'autre toute une journée. Et je rentrais chez moi le soir, j'étais véritablement épuisée. Mais alors, Catherine, vous êtes une femme intelligente. J'espère. Pendant 30 ans, vous ne vous êtes jamais dit « je vais aller consulter, peut-être aller voir un psychologue ou un psychiatre ». Alors, vous n'avez pas eu la curiosité d'essayer de comprendre ? Pour moi, les psys, c'était comme beaucoup de gens de ma génération, c'était pour les fous. Mmh. Donc, je n'ai jamais pensé à aller consulter. Mon médecin homéopathe m'a envoyé voir, heureusement, à un moment, une sophrologue qui m'a aidée à comprendre l'impact que la maladie de ma mère avait eu sur moi, avec ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'insécurité. Mmh. J'ai beaucoup parlé aussi des colères de mon père, et elle m'a expliqué beaucoup de choses, mais malheureusement, au bout d'un peu plus d'un an, alors qu'elle habitait tout à côté de chez moi, elle m'a annoncé qu'elle déménageait dans le 13e arrondissement. Et moi, si elle m'avait dit « je déménage sur la Lune », pour moi, c'était le même effet. Et donc, je n'ai pas pu la suivre, je n'ai pas pu continuer. Alors que c'était à 5 km. Il suffisait juste de prendre le métro. C'était insurmontable. Ou un bus. Impossible, impossible. Quitter son périmètre de sécurité est inenvisageable pour Catherine. Tant pis pour la thérapie. Un an plus tard, à 45 ans, elle se rend chez un ostéopathe. Au fil des séances, il va faire ressurgir un traumatisme subi dans son enfance et que Catherine avait enfoui au plus profond d'elle-même. À la fin d'une séance d'ostéopathie, tout d'un coup, un souvenir qui n'était pas tout à fait oublié, mais qui était... à moitié oublié, hein, et mes revenus, c'était le souvenir d'un viol que j'avais subi à l'âge de 10 ans par un voisin de mes parents. Voilà. Donc vous n'aviez parlé à personne ? Donc je n'avais parlé jamais à personne. Est-ce qu'il vous avait menacé ? Pas du tout. Mais j'avais tellement... Vous savez, c'est le drame pour les gens qui subissent ça, c'est la honte et la culpabilité. Mais vous vous souvenez quand même de ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Ça a été une terreur infinie, vraiment une douleur et une terreur infinie. Mmh. Voilà. Et après, j'ai eu des tics nerveux, je me suis mise à me ranger les ongles, j'ai eu le visage couvert d'impétigo. Après ce viol, voilà. Okay. Mes parents m'ont emmenée chez un médecin, un généraliste, mais qui n'a pas du tout fait le lien avec quoi que ce soit d'ailleurs. Donc on a attendu que ça se passe. Est-ce qu'à partir du moment où ce souvenir douloureux est remonté, est-ce que ça a suffi pour apaiser vos angoisses ? Pas du tout,
Pas du tout. Ça m'a permis de comprendre pourquoi ma vie sentimentale avait été tellement chaotique et que je n'avais pas pu rencontrer un homme avec qui faire ma vie. Donc vous comprenez ce rapport aux hommes, mais ça ne calme pas du tout vos angoisses. Pas du tout. Une troisième méthode pour parvenir à poser un diagnostic. Qu'est-ce que c'est ? Voilà. Donc après, si vous voulez ça, j'ai fait 3 ans d'analyse. Mes 3 ans d'analyse qui m'ont aidé à faire le deuil de ma mère, le deuil de mon frère, qui m'ont aidé à retirer ce sentiment de honte et de culpabilité lié au viol. Et je n'ai jamais parlé à mon analyste de mon agoraphobie. Et elle aussi a déménagé dans le 13e arrondissement au bout de 3 ans. Bah, décidément. Et donc, toujours pareil, les mêmes angoisses et tout. Donc, je n'ai pas suivi. À nouveau, Catherine ne peut pas suivre sa psychothérapeute, qu'importe. Forte et décidée, elle décide d'entamer une auto-analyse. Elle multiplie les lectures et c'est ainsi qu'elle découvre enfin le nom de sa maladie, l'agoraphobie. Le diagnostic est posé, reste à se soigner. Catherine choisit alors une méthode anglo-saxonne, le rebirth, littéralement la renaissance. Et là, vous avez essayé une méthode qui s'appelle le rebirth. Voilà. Qu'est-ce que c'est que donc, ça ? Alors, le rebirth, c'est une psychothérapie. Les séances durent 2 heures. La première heure, c'est une séance normale de psychothérapie où vous verbalisez, vous conscientisez. Donc là, c'est par la guérison par la parole, si on peut guérir vraiment par la parole. Et après, vous respirez pendant 1 heure par la bouche. Et uniquement par le haut des poumons. Vous êtes allongé par terre avec des couvertures bien au chaud, comme si vous étiez dans un cocon, comme si vous étiez dans une matrice. Et à ce moment-là, au cours d'une de ces respirations, je me suis revue à l'âge de 4 ans, complètement terrorisée sous un meuble, parce que j'avais vu quelque chose qu'un adulte avait fait. Et lui m'avait dit que je ne devais révéler à qui que ce soit ce que j'avais vu sous peine de mort, dans mon esprit d'enfant. Qu'est-ce que vous aviez vu ? Eh bien, je n'en sais rien. Je ne sais toujours pas. Le souvenir doit être tellement douloureux que mon inconscient ne me l'a jamais livré. Mais par contre, l'émotion de terreur, l'émotion de colère que j'avais ressentie à ce moment-là s'est évanouie comme si on claquait dans les doigts. Et ma thérapeute m'a expliqué que je n'étais plus une petite fille de 4 ans, j'avais 50 ans, et que j'étais une grande personne, et que les adultes peuvent demander de l'aide quand ils sont dans des situations difficiles. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas guéri d'un seul coup, mais j'ai vraiment senti comme si un énorme poids, une enclume m'était retirée de la poitrine. Et j'ai remonté la pente. Petit à petit, j'ai réappris à vivre à partir de cet instant-là. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez osé parler de vos angoisses à votre entourage ? J'ai osé parler. Et puis, à cette époque-là également, j'avais rencontré un autre homme qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Et puis, j'ai réappris à vivre comme les autres, c'est-à-dire à prendre ma voiture, à prendre le métro, à prendre l'autobus. Donc au début, c'était des tout petits parcours. Quand j'étais dans le métro, je prenais un livre, là, un roman policier, je me mettais la tête dedans, je lisais. Pourquoi ? Pour pas penser, pour pas que la crise d'angoisse puisse monter. Hein. Et après, j'ai pris sur des plus grandes distances. Maintenant, je peux traverser Paris en métro. Est-ce que maintenant, vous pouvez aller dans le 13e arrondissement ? Je peux aller beaucoup plus loin. Je peux prendre le RER jusqu'à très loin. C'est dingue. Est-ce que vous avez un souvenir précis du moment où vous avez eu l'impression de sortir de prison ? C'était à peu près, je crois, un an et demi ou deux ans après donc, cette fameuse séance de rebirth, où là, j'ai dû prendre ma voiture pour aller en Bretagne, où j'ai une petite maison, et 465 kilomètres, voilà.
Quand vous êtes arrivée chez vous en Bretagne, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, j'avais l'impression d'être la reine du monde. Mmh. Et avec cette envie de vivre qui était mais tellement forte, de profiter. Ce n'était pas un voyage extraordinaire, hein, mais tout me semblait beau, clair, ensoleillé, tout était beau. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur votre parcours? Sur ces 30 ans en prison. Ça a été un parcours du combattant. Mmh. Hein. Plusieurs fois, j'ai vraiment appelé la mort. J'ai d'ailleurs essayé une fois de jeter mon vélo contre une voiture, mais elle m'a évité. Heureusement. Volontairement ? Volontairement, parce que je souffrais tellement. À quel moment c'était ça ? C'était en 93, où j'avais l'impression que ma belle-sœur avait un petit peu monté mes neveux, ce qui est totalement faux, hein, parce que j'en ai parlé avec elle depuis lors. Mais elle avait peut-être essayé de me séparer un peu de ses enfants, qui étaient pour moi une planche de salut. Et là, je me suis sentie tellement mal, tellement malheureuse, tellement abandonnée encore une fois. Et heureusement, la voiture m'a évitée et j'ai pu continuer ma vie. Mais vraiment, c'était tellement insupportable par moments que je voulais que ça s'arrête. Il fallait que ça s'arrête. Mmh. Et donc, j'ai lutté. Si on m'avait dit un jour que pour guérir, il fallait que je traverse Paris sur les mains, je crois que je l'aurais fait. Vous vous dites quoi avec le recul ? Eh bien, je me dis, ça c'est formidable, je m'en suis sortie. Je m'en suis sortie. Voilà. Mais vous ne vous dites pas, j'aurais pu essayer de m'en sortir plus tôt ? Voilà, c'est d'ailleurs, si vous voulez, c'est vraiment ce pourquoi j'apprécie de pouvoir témoigner, c'est de dire aux gens qui sont agoraphobes, parlez à votre entourage, même à votre entourage professionnel, parce que maintenant c'est reconnu comme un handicap, hein, l'agoraphobie. Hein. Donc parlez, et surtout faites-vous aider. Trouvez le bon thérapeute pour trouver la clé qui ouvrira la porte de votre prison. Est-ce qu'il y a encore des moments aujourd'hui où il vous arrive d'être angoissée ? Oui, il m'arrive parfois d'avoir des angoisses que je sens monter, alors je leur parle. Je lui dis à cette angoisse qui monte, tout d'un coup je lui dis, ben, monte et explique-moi ce que tu as à me dire. Et en général, ça redescend. Alors, d'abord, je tenais à vous remercier de votre confiance, d'avoir accepté de témoigner, parce que je pense que ça aidera beaucoup de personnes. J'espère. Et puis, j'ai hâte de rencontrer ceux que vous avez emmenés avec vous aujourd'hui, qui vont nous dire comment ils ont vécu tout ça à vos côtés, ou pas vécu justement tout ça, puisque Absolument. Vous leur avez caché la vérité pendant 30 ans. Et puis, à leur côté, il y aura également une psychologue clinicienne qui est spécialiste des phobies et des angoisses, qui va pouvoir nous renseigner et donner des clés. Oui. Donner parler des clés, symptômes qui pourraient alerter, donner des conseils justement aux proches. Aux proches pour essayer d'apporter l'aide nécessaire. Je vais chercher vos proches et puis vous allez me les présenter. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. Cela paraît presque facile lorsqu'on écoute Catherine parler. Comme tous mes invités, elle a la pudeur de ne pas dire la dureté de la reconstruction. Pourtant, une question s'impose. Comment a-t-elle fait ? C'est pour tenter d'y répondre que j'ai voulu aujourd'hui écouter ses plus proches amis et une psychologue, afin de mieux comprendre comment chacun d'entre nous peut tirer des enseignements de l'expérience si particulière de mon invité. D'abord, je suis triste qu'elle nous ait jamais parlé de sa maladie, on va dire. Là, on aurait gagné du temps. On aurait certainement pu l'aider différemment. S'il y a un terrain qui commence à être un peu anxieux, il ne faut pas laisser ça s'installer. Il faut impérativement en parler. On peut aller vers un thérapeute qui a une forme de technique, mais ça peut ne pas marcher, c'est pas grave. Vous allez voir une autre technique. Alors, Catherine, présentez-nous vos proches. Alors, Françoise, qui est donc une amie de longue date, on s'est connues en 1971, voilà. Et on est étudiante ensemble ? Non. Étudiante, mais pas ensemble. D'accord. Quant à Jean, c'est un ami de mon frère Patrick, mon plus jeune frère. Ils se sont connus au lycée. Ils ne se sont pas quittés depuis.
Et Jean a travaillé à l'entreprise. C'était lui qui faisait beaucoup de lignes de nos pull-overs. Entre autres. Voilà. Alors, on va voir qu'avec Jean, vous n'avez pas toujours eu un rapport, apaisé. Moi, personnellement, il était relativement apaisé entre nous deux, puisqu'on se connaissait beaucoup depuis très très longtemps. Catherine, j'ai connu bébé, pratiquement, enfin jeune fille, c'est une façon de parler. Ouais. Mais dans le travail direct, je n'étais pas en permanence avec elle, mais par contre, je l'ai vue évoluer. Alors, vous allez nous raconter tout ça, et puis on va présenter Valérie Péala, qui est donc psychologue, clinicienne, et vous êtes spécialiste de ces problèmes de phobie ou d'angoisse. Vous allez nous aider à décrypter tout ça, à savoir quels symptômes pourraient nous alerter et puis surtout comment on peut surmonter ces angoisses et s'en sortir. Alors, on va commencer avec le témoignage de Françoise. Vous diriez quoi ? Vous étiez meilleures amies toutes les deux ? Oh oui, tout à fait. Oui, vous l'êtes restée manifestement ? Absolument. Vous êtes toujours aussi proches ? Oui. Oui. Alors, racontez-nous la jeune femme que vous avez rencontrée. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes plu à ce moment-là ? J'ai trouvé que Catherine était très, très dynamique, très enthousiaste, et ça me correspondait aussi. Et donc, on a fait pas mal de choses ensemble, et c'était comme ça. Et puis, hélas, toutes les deux, vous aviez vécu le même drame. Mm-hmm. Ça vous a certainement soudé et rapproché. Qu'est-ce qui vous était arrivé à vous, Françoise ? J'ai perdu un frère dans les mêmes circonstances que Catherine, c'est-à-dire d'accident de voiture. Voilà, il y avait 24 ans, j'en avais 17. Donc j'imagine que vous avez partagé cette douleur, tous les deux, ce chagrin, vous en parliez ? On n'en a pas, ça nous a, je pense, beaucoup rapprochés, mais sans les mots, vous savez. C'est des choses que l'on sent, mais on n'est pas obligé forcément de poser des mots dessus. Et donc, ça, je pense que ça nous a liés encore plus, mais on avait des caractères, je pense, tout à fait complémentaires. On a beaucoup de goûts en commun. On a l'amour des enfants. Moi, j'adorais ses enfants. Je m'en suis beaucoup occupée aussi. Donc, c'est un lien de ce type-là. À quel moment, Françoise, vous avez été alertée par les angoisses ou les troubles de comportement de Catherine ? Qu'est-ce qui vous interpellait ? Catherine, en fait, ne se plaignait jamais. Et c'était quand même quelqu'un qui avait l'air d'être très positive et dans tout ce qu'elle faisait. Et donc, on ne s'en apercevait pas tellement. C'était plutôt quand elle a eu une très forte crise dans les années 98, je crois. Où là, en effet, j'ai vu qu'elle n'allait pas bien. Mais avant ça, quand même, vous aviez remarqué qu'elle avait peur de voyager, de prendre... Oui, alors bien sûr, elle disait qu'elle avait peur de prendre l'avion, qu'à chaque fois que je lui proposais de partir en voyage avec moi, elle trouvait toujours un prétexte pour ne pas venir. Ça devait vous paraître bizarre quand même. Comment vous l'interprétiez à l'époque ? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas voyager, donc je voulais pas donner une interprétation spéciale à ça. C'est pas Est-ce que vous sortiez ensemble dans les soirées ? Oui, bien sûr, tout à fait. Elle suivait ? Oui. Puis bon, elle invitait aussi chez elle. On s'invitait mutuellement. C'est vrai qu'elle n'aimait pas conduire sa voiture. Je sais qu'elle aimait pas prendre le métro, mais comme beaucoup de gens aussi. Oui. Donc c'était pas. Donc ça vous a pas interpellé plus que ça ? Pas plus que ça. En revanche, vous le disiez dans les années 98. 18. Là, vous l'avez trouvé moins bien. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que oui, c'est elle qui m'en a parlé. Un jour, elle n'est plus sortie de chez elle, carrément. Donc j'ai appris que ça n'allait pas du tout. Là, en effet, ça a été assez flagrant. Mais c'est parce que c'est elle qui me l'a raconté quelques jours après. Vous lui avez donné des conseils à ce moment-là ? Est-ce que vous lui avez dit d'aller consulter, peut-être ? Oui, tout à fait. Oui, je l'ai envoyé voir une psychothérapeute, qui lui a fait d'ailleurs beaucoup de bien, je crois. C'était ma psychothérapeute Rebirth. Que Françoise connaissait comme confrère. Et c'est elle qui m'a envoyé voir ce thérapeute qui m'a sauvé la vie. Qui vous a permis donc de mettre en lumière ce qui vous était arrivé à l'âge de 4 ans, ce dont vous nous parliez tout à l'heure. Absolument, oui. Jean, vous l'avez rencontrée toute petite. C'était quel genre de petite fille ? Elle avait 17 ans. Quand même. En fait, c'était une petite fille d'ailleurs, parce qu'à l'époque, à 17 ans...
On n'avait pas 17 ans d'aujourd'hui. Donc vous étiez... Moi j'étais très habillée, j'étais amie avec son frère, enfin, puisque il était un tout petit peu plus jeune que moi, et j'étais un petit peu... Oui, enfin, dites donc, alors donc vous aviez le même âge, alors tous les deux. Vous n'avez jamais été attirée par Catherine? Non. Je vous dis carrément, non, allez-y, non, mais, pas du tout. Non, mais moi j'avais une petite histoire avec... Avec ma meilleure amie. Avec sa meilleure amie, donc on ne pas... voilà, c'était pas possible. Ouais, en fait, elle vous agaçait plutôt. Ah ben à un moment donné, elle était insupportable, mais enfin ça c'était pas grave. Non mais qu'est-ce qui vous agaçait? Pourquoi elle était insupportable? Mais parce qu'elle avait sa position, je sais plus exactement. Elle était quoi, autoritaire? Elle était sûre d'elle? Ah ça oui, déjà. Sûre d'elle? D'une certaine manière, oui. Mais peut-être qu'elle n'était pas sûre d'elle au fond d'elle-même, mais si vous voulez sur l'aspect extérieur. C'est l'image qu'elle donnait. C'est l'image qu'elle donnait, et je pense que ça la desservait d'ailleurs, parce qu'elle était mignonne, mais je pense que là, elle a contraint son personnage. Parce que je pense qu'à ce moment-là, j'ai un souvenir, hein, on déballe. Mais on est là pour témoigner, De nos larges vacances, quand on allait au Portugal. Au sud Portugal. Elle avait une position qui l'a... je pense qu'elle avait une opinion d'elle-même qui était un petit peu haute. Par exemple? Peut-être qu'elle s'imaginait que tout le monde n'était pas à la hauteur de sa personne. Est-ce que vous parlez de personnage, Jean? Peut-être, elle avait une imagée, c'est ce que je ressentais à l'époque. Mais... Elle se positionnait à un certain niveau dans son esprit. Et automatiquement, vous avez un différentiel avec les gens ordinaires d'à côté. Donc, elle vous agaçait un peu. Est-ce que vous en parliez avec son frère en disant « elle nous casse les pieds, ta sœur » On n'en parlait pas beaucoup, mais... En gros, vous trouviez qu'elle avait la grosse tête? Pouvait la ramener un petit peu, oui. Voilà. Je la ramenais trop. Voilà. D'accord. Et puis donc, la vie passe et vous vous retrouvez plus tard. Vous travaillez même ensemble dans la même entreprise, donc absolument, dans l'entreprise familiale où vous créez... Moi, j'avais un département d'importation et autres. Et puis après, je suis devenu partenaire dans la société de base. Mais j'ai vu Catherine évoluer et c'est là où j'étais simplement témoin. De quoi? De parfois d'irréversible colère. Et ça, c'était une nuisance pour elle-même, essentiellement, au fond d'elle-même, sûrement. C'est-à-dire des colères que vous trouviez injustes, démesurées, tout à fait injustes, disproportionnées, pénalisantes pour autrui. C'est vrai qu'il y avait une position dans l'entreprise où on était, qui n'était pas une position facile. Hein. Responsable financière, des choses comme ça, je ne me trompe pas. Il fallait faire rentrer l'argent des clients. Donc, ce n'était pas la position la plus facile, hein, ça c'est vrai. Mais j'aurais pu y mettre vraiment davantage les formes, ne pas me mettre en colère. Si c'était à faire aujourd'hui, je ferais vraiment différemment. À l'époque, ma seule façon de pouvoir taper du poing sur la table, c'était de me mettre en colère. Voilà. Est-ce qu'il lui est arrivé de se mettre en colère contre vous? Très sincèrement, non. Alors, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se serait passé, Jean? Je leur ai dit, tu es bête, c'est tout, parce que je ne m'énerve pas. Moi, j'ai plus le goût du compromis. Est-ce que vous doutiez que ces colères cachaient un mal-être? Absolument pas. Très sincèrement, pas. Et c'est regrettable. Alors là, je le dis très sincèrement, c'est regrettable parce que ça a gâché beaucoup de choses, ne serait-ce que dans la relation globale avec autrui. Et je pense très sincèrement que c'est elle la première pénalisée de toute cette histoire. Okay. Parce que ce n'est pas quelqu'un de méchant. C'est là où est le problème. Alors, elle était méchante. Bon, alors, elle est méchante, d'accord. Et bête, en plus. Donc là, puisque bête et méchant, ça va ensemble, si je connais mes classiques. Mais là, elle s'est... Alors, on va dire en français, elle s'est bouffée la santé. Hein. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre parler de vous comme ça aujourd'hui? Mais Jean a raison, c'est vrai que je me suis rendue malheureuse, moi, je me suis fait du mal. Tous les soirs, quand j'avais été épouvantable avec des gens, j'étais malheureuse, j'étais triste, ça me donnait envie de pleurer. Et je me disais, demain, c'est promis, je ne recommence pas, etc. Et je recommençais, donc c'était affreux parce que tout le monde souffrait autour de moi. Je souffrais et je ne pouvais pas parler. Mais j'imagine que ça a dû vous isoler à ce moment-là, c'est-à-dire que les gens dans l'entreprise devaient vous détester. Beaucoup. Il y avait des gens quand même qui devaient quelque part intuitivement ressentir mon malaise sans se poser vraiment de questions et qui sont allés vers moi. Qui vous ont tendu une perche? Oui, et qui,
Et vous ne l'avez jamais saisi. Mais moi, j'étais tellement dans ma paranoïa qu'en fait, je pensais que si ces gens étaient gentils avec moi, ces fournisseurs, c'était pour que je leur accorde qu'il y ait des délais de paiement différents pour eux. Je ne pouvais pas imaginer que la gentillesse puisse être gratuite. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que je suis passée à côté de merveilleuses amitiés parce que j'étais à la limite de la paranoïa, réellement, réellement. Valérie, la paranoïa, ça entre dans le tableau... Dans l'agoraphobie, non. Comment vous définiriez-vous l'agoraphobie ? Ah, l'agoraphobie, c'est la phobie la plus invalidante, de toute façon, des phobies, parce qu'elle va toucher tout ce qui est extérieur. Et pas que la présence au milieu d'une foule, comme vous l'imaginez. Non, absolument. Hein, on peut se retrouver, effectivement, se retrouver dans une voiture, se retrouver dans le métro, se retrouver dans un magasin. Dans une foule, bien sûr que ça peut le faire la queue pour aller prendre son pain. Au supermarché, avec le chariot plein, là, qu'on laisse au milieu parce qu'on ne peut pas faire la queue. Eh ouais. Alors, effectivement, l'agoraphobie, c'est extrêmement invalidant dans le sens où ça va toucher, finalement, plein d'espaces de vie. Quel regard vous portez sur le parcours de Catherine qui a caché... Je souris parce que je trouve ça très angoisses. Touchant. Ouais. C'est incroyable qu'elle ait pu cacher ça à tout le monde pendant 30 ans. Ça a dû lui demander une énergie folle. Ah je pourrais imaginer que ça a été de l'ordre de l'épuisement par moment, tant physique que psychique. Parce que ne pas pouvoir partager profondément sa souffrance, parce que c'est une souffrance sans nom, l'agoraphobie est une souffrance sans nom, ne pas pouvoir le partager, je ne sais pas comment. Catherine, vous avez pu continuer à le vivre. Comme quoi, vous avez une force absolument incroyable de base. Je pense, certainement. Je pense. Mais c'est heureux que vous ayez trouvé à un moment donné... le bon thérapeute. Oui, voilà, absolument. En même temps, elle n'avait pas le choix. Elle a dû développer cette force puisque sa maman a été malade, elle a été confiée à sa famille, elle a perdu son frère. Ce sont quand même des événements qui demandent qu'on développe une force pour s'en sortir. Sinon, on ne survit pas. Non ? Je pense que je suis née avec. Voilà. Elle nous racontait, Catherine, justement, que ses angoisses sont nées un an après la disparition de son frère, dans des conditions tragiques. Qu'est-ce qui déclenche généralement ces crises d'agoraphobie ? Pour Catherine, en tout cas, on parle d'un événement traumatisant. Mais quand ça se traduit sous forme d'agoraphobie, ça veut dire que malgré tout, le terrain avant le moment du traumatisme était plutôt un terrain anxieux. Sinon, ce traumatisme-là va se traduire un peu autrement dans sa vie. Mais elle a l'air de dire, Catherine, que justement, elle n'a pas trop souffert d'anxiété avant. Non, mais il y a eu différents traumatismes qui se sont accumulés les uns sur les autres, un peu comme la lave du volcan. Hein. Et puis un beau jour, il y a un déclencheur. Une effraction. Et paf, ça pète. On appelle ça une effraction. C'est-à-dire, à un moment donné, le corps et le psychisme arrivent à faire avec. Voilà, je fais avec. Et puis à un moment donné, le roulement à billes, ça explose. Quoi. Mais donc, pour que ça se développe vraiment, il faut un terrain de base d'anxiété. Oui, généralement. C'est le choix du psychisme à un moment donné de trouver la voie d'expulsion qui va se faire dans l'agoraphobie. On a beaucoup parlé du syndrome d'abandon. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, parce qu'il y a eu, ces vécus-là avant. Tout à fait. Voilà. Plusieurs événements que j'ai ressentis comme des abandons. Ça n'a jamais été des vrais abandons. Mais ça a été quand même des séparations importantes avec ma mère. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'abandon dans ces différents événements. Parce que ta maman t'a demandé d'assumer aussi beaucoup trop, peut-être, tes frères quand elle était malade. Peut-être. Tu devais vraiment assumer toute la famille, faire tout ce qu'il fallait en même temps que tu faisais tes études. Donc, en fait, depuis très jeune, c'était... presque toi le chef de famille quand même. Et donc, on est sur un terrain assez cure. Voilà. Hein, Valérie, quels sont les symptômes qui peuvent alerter ? On a beaucoup parlé de colère, de violence. On est au niveau émotionnel. Après, on va avoir des comportements, principalement des comportements d'évitement. Voilà, je vais... ça nous a bien raconté les stratégies. Et puis, pour survivre...
pour survivre, il faut bien développer des moyens face à ça. Est-ce qu'on peut développer peut-être les stratégies d'évitement, ce dont vous parlez, ça s'exprime comment, concrètement ? En fait, ça démarre par des états anxieux qui sont de plus en plus forts. Et à un moment donné, on peut nommer ça attaque de panique, plus spécifiquement, qui va beaucoup fragiliser la personne parce que ça va être une kyrielle de symptômes qui peut s'annoncer pratiquement en même temps et créer vraiment une sensation de perte de sécurité. Ça peut être des bouffées de chaleur, ça peut être des vertiges, ça peut être le cœur qui s'emballe, mon Dieu, on a l'impression que ça les va sortir de la cage. Les papillons dans les yeux, les jambes toutes molles. Alors au début, quand ça démarre, c'est oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Mais c'est suffisamment fort pour faire très peur. Et puis malheureusement, revivre la même situation, on imagine aller faire ses courses, reprendre la queue et on y va, et rebelote. Et là, s'inscrit au fur et à mesure la peur de vivre ça. Et je vais finalement peut-être faire mes courses dans le petit supermarché où on ne fait pas la queue. C'est ça. Et voilà. Et comment ça s'inscrire ? L'évitement. C'est ça. Et les conséquences, les principales sur la vie, sur les relations sociales que... Ça réduit. Ouais. Ça peut réduire considérablement la vie de quelqu'un. En notamment allant jusqu'à une extrême, quelqu'un qui peut ne plus sortir, ça arrive. Donc forcément sur les relations amoureuses. Tout. Les relations familiales, ça peut les faire exploser parce que la famille ou les amis peuvent ne pas comprendre ce qui se passe. Les relations sociales, vous imaginez, trouver un boulot. Le maintenir, quand une situation au boulot crée les attaques de panique. Puis gérer tout ça, à un moment donné, c'est impressionnant. Jean ? On est bien sorti sur le retrouver un boulot, parce que Catherine, elle n'a pas baissé la tête à chaque fois qu'il y a eu un ressac. Moi, je suis ressortie. Ça n'a pas traîné. Hein. Ça, c'est parce qu'on a eu quand même un gros ressac a vécu ensemble, plus ou moins. Ouais. Et justement, et peut-être... Ouais. Et peut-être, 97, vous avez cité 97-18, où il y a eu un gros trauma dans la société. Oui. Peut-être, ça peut être aussi une des clés. Pourquoi tu as... Non ? C'est vrai que la perte d'entreprise et l'explosion de mon appartement dont on n'a pas parlé, tout ça, ça a été aussi des choses qui se sont accumulées, jusqu'à produire en 1998 une explosion où je me suis retrouvée un jour tétanisée dans ma chambre, dans la position du fœtus, en hurlant, en appelant ma mère qui était morte depuis 20 ans. Là, j'ai craqué. Ça a été la seule fois de ma vie où j'ai craqué, mais j'ai vraiment craqué. Et heureusement, Françoise m'a après confié dans les mains de cette thérapeute qui m'a aidée à remonter la pente en quelques mois. Jusque-là, j'avais réussi à pas craquer. Ça se soigne comment ? Par une psychothérapie qui pourrait permettre aussi d'avoir des volets de sophrologie, des volets de relaxation, ou en tout cas de pouvoir trouver en soi suffisamment d'énergie pour aussi s'auto-aider par des techniques de tous les jours. Voilà, ça c'est important. À côté d'une psychothérapie, et puis après, mon Dieu, après le monde est vaste, la façon d'être aidé, faut vraiment que ça parle. On a parlé d'une chose importante, de cette colère que développait Catherine, générée par la honte qu'elle éprouvait. Ouais. C'est quelque chose, c'est un symptôme assez fréquent. Vous voyez le mouvement fréquent. Oui, la honte, de toute façon, c'est la honte de ne pas en parler, c'est la honte aussi de soi, c'est une estime de soi qui tombe aux oubliettes à chaque fois qu'elle n'arrivait pas à affronter une situation. Et ça, ça peut être toutes les heures de vivre ça pour quelqu'un qui est agoraphobe. Donc il faut apprendre à s'aimer. Oui, et la colère, c'est finalement retourner tout ça contre soi. Mais c'est se faire doublement mal, finalement. C'est la double peine, en même temps agoraphobe et en même temps, je vais en plus me faire du mal en plus. Oui, en plus. Ouais. Vous êtes d'accord avec l'explication de la colère ? Tout à fait, oui. Donc, vous commencez à travailler sur vous nous l'avez dit, sophrologie, analyse pendant 3 ans, rebirth. Comment vous la voyez évoluer, Françoise ? Ça n'a pas été facile. Ça a été très long. Il y avait des moments où elle retombait. C'était pas, non, c'est pas été une pente douce, montante.
Il y a eu vraiment des hauts et des bas. Et puis, moi, j'ai trouvé... qu'elle retombait, ça veut dire quoi? Qu'elle retombait dans ses crises d'angoisse? Oui, tout à fait. Et qu'à nouveau, elle s'isolait. Mais elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour s'en sortir, vraiment, parce que c'est une battante, qu'elle a toujours été habituée à se débrouiller toute seule. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas d'aide. Et elle a attendu longtemps avant de se faire aider, ce qui est un petit peu dommage. Mais ça a été très long et je pense que moi, je la sens beaucoup mieux depuis qu'elle a pris sa retraite, depuis qu'elle s'est lancée dans la réflexologie. En fait, elle aurait peut-être, je pense qu'elle aurait aimé faire médecine si elle devait recommencer ses études. Et donc, elle s'est complètement investie dans cette nouvelle discipline qui, je pense, lui plaît beaucoup et où ça marche bien. Et on la sent beaucoup plus sûre d'elle, mais au bon sens, dans le bon sens du terme, beaucoup plus épanouie. Je dirais pas plus à l'écoute des autres, parce qu'elle a toujours été à l'écoute des autres, donc ça c'est pas nouveau. Mais en tout cas, beaucoup plus épanouie dans tout ce qu'elle fait. Et puis en plus, elle a plus du tout peur de voyager, de prendre sa voiture. Beaucoup plus indépendante aussi vis-à-vis de sa famille, à laquelle elle était très accrochée, même je dirais anormalement accrochée. Ce qui faisait peut-être fuir un peu les éventuels amoureux qu'elle pouvait avoir, hein, parce que la famille passait avant, donc voilà. Et c'était pour elle une sécurité, une source de sécurité, la famille, voilà. Et alors vous, Jean, vous avez l'air de la regarder avec des yeux admiratifs. Non, mais oui, parce que moi je suis admiratif. D'abord, je suis triste qu'elle nous ait jamais parlé de son de sa maladie, on va dire comme ça. Hein. Oui. Et là, on aurait gagné du temps. Oui. On aurait pas gagné du temps et on aurait certainement pu l'aider différemment. Vous dites quand même. C'est-à-dire vous sentez ben vous moi, son frère. Oui, parce qu'on est belle. Quand on se connaît à l'âge de 16 ans et qu'on se connaît encore à l'âge de 70 et au-delà. C'est quand même sympa déjà de pas être parti et de pouvoir parler. Et peut-être sa littérature lui a permis de... Ah, sa littérature, tiens, on n'en a pas parlé. De s'exprimer. Une prison sans mur, comment j'ai vécu mon agoraphobie, c'est publié chez Michalon. Justement, qu'est-ce que ça vous a apporté d'écrire ce livre? Si vous voulez, le fait qu'on puisse reconnaître avec ce livre ma souffrance... Ça m'a aidée à la mettre derrière moi. Et puis, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages de gens, par mail, par peu importe, etc., qui m'ont dit « Merci d'avoir témoigné que l'on peut s'en sortir. » Parce que ce n'est pas évident. Voilà. Et ça a donné beaucoup d'espoir à beaucoup de gens. Jean, qu'est-ce que vous lui souhaiteriez aujourd'hui à Catherine? Ben moi, je lui souhaiterais très, très sincèrement qu'elle trouve un compagnon sympa pour la suite. Parce qu'elle le mérite. Et puis, vu comme sa forme d'esprit, son caractère s'est amenuisé d'une certaine façon, dans un certain sens, elle pourra faire la route sans problème. Elle n'aura pas ce boulet. Oui, enfin, puis cet énervement qu'elle a vis-à-vis des autres, qu'elle a eu, ou même cette intolérance. Je vais employer le mot intolérance. Mais c'est vrai, j'étais intolérante pour moi et pour les autres. Hein. Oui, alors on va parler d'une intolérance humaine, simplement, et peut-être de l'égalité avec elle-même, c'est-à-dire est-il digne d'une certaine... Tiens, j'y vais, là. Oui. Là. Est-il digne de moi, l'autre? Et Catherine, parfois, étant dure comme ça, elle réprimait... Elle réprimait l'intelligence de l'autre. Donc aujourd'hui, vous en pensez quoi? Ben moi, j'en pense du bien. Bon. J'en pense du bien parce que quand on évolue positivement, c'est top. Enfin, pour moi, dans mon esprit, parce que rien n'est fini, voilà. Donc, on a encore de belles années devant nous. Alors, mais peut-être que vous allez vous voir un peu plus souvent tous les deux, non? On recommence à se voir davantage, c'est vrai. Ouais. Mais bon, parce que j'ai envie de communiquer avec beaucoup de gens, ouais. Chose que je n'ai pas faite avant. Mmh. Et la communication, elle est vraiment très importante pour moi maintenant, vraiment. Valérie, quels sont les conseils qu'on pourrait donner à la fois aux personnes qui souffrent de ces angoisses et aux proches
Ça dépend du regard qu'on a sur l'autre aussi, hein, parce que les symptômes, de toute façon, quand on est alerte et quand, quand on a ce regard qui fait vivre l'autre, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De voir ces évitements qui se répètent, avoir une façon de faire qui se répète pour se protéger. Il y a cette attention à avoir vis-à-vis, alors si je parle de l'enfant et de l'adolescent, c'est vrai qu'il y a une attention à avoir s'il y a un terrain qui commence à être un peu anxieux. Il ne faut pas laisser ça s'installer, de toute façon. Il faut impérativement en parler, d'abord à ses proches, mais c'est vrai que là, il y a un contexte familial, il y a un contexte social, des fois, qui aide, et parfois, ça n'aide pas. J'imagine que Catherine, je peux seulement imaginer que vous vous êtes retrouvée dans un contexte qui, peut-être, ne permettait pas de pouvoir en parler, ou ça ne se parlait pas. On ne parle pas de ses émotions. Elle disait qu'à l'époque, c'est vrai qu'aller voir un psy, c'était être considéré... Oui, absolument. C'était très étranger. Pour moi, c'était vraiment pas... C'est pour les fous. Et déjà que vous, à l'époque, vous disiez aussi que vous aviez peur d'être folle, justement. Moi, j'étais persuadée que j'étais folle et qu'il fallait soigneusement le cacher à la terre entière. Une honte phénoménale. La honte, elle était vraiment, vraiment importante. Mais aujourd'hui, on a progressé. Non seulement on doit poser le diagnostic plus vite et puis on ose parler de ça. Aujourd'hui, ça devient quand même... Aujourd'hui, on en parle vraiment davantage. Absolument. Sans compter toutes les nouvelles batteries thérapeutiques. Oui. Alors, tous les nouveaux procédés. On a parlé de sophrologie. Vous nous parliez du rebirth. Il y a d'autres... Il y a l'hypnose. Il y a le MDR, le EFT. Il y a Tipeee aussi, qui est une façon aussi de travailler, mais il faut garder son discernement quand on souffre de ça. On peut aller vers un thérapeute qui a une forme de technique, mais ça peut ne pas marcher, c'est pas grave. Vous allez voir une autre technique. Il faut trouver la bonne clé pour ouvrir la porte de sa prison. Oui, exactement. Il y a vraiment des thérapeutes qui vont convenir à certains, pas convenir à d'autres. Absolument. Et donc, il faut trouver la clé. Voilà. Alors, vous parlez de clé, vous parlez d'aider les autres, vous parlez de sortir de prison, de sortir de sa honte. C'est quelques-uns des thèmes que nous allons aborder avec ceux que nous appelons nos dénicheurs. C'est quoi un dénicheur ? Alors, un dénicheur, c'est une personne qui s'attache à trouver des réponses aux problématiques de la société. Émilie, Brigitte et Eddy. Bonjour à tous les trois. Alors, Brigitte, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors, Catherine, vous avez beaucoup souffert, je crois, du fait de votre agoraphobie. Oui. Et vous aviez honte un peu de cette situation. Totalement. Voilà. Eh bien, je vais vous parler de femmes qui, elles aussi, souffrent de cette honte parce qu'elles sont atteintes de cancer et elles perdent leurs cheveux. Alors, que faire pour les soulager? Il y a une superbe initiative qui va les aider. Vous allez voir, je vous raconterai après. Monsieur Eddy, donc lui c'est le plus jeune dénicheur de la bande et donc lui aussi à l'affût de ce qui peut un petit peu faire évoluer les mentalités et là ça se passe en banlieue. Exactement, je vais parler de solidarité et de grands défis. Un grand défi réalisé en banlieue afin d'aider les sans-abri et les réfugiés. C'est quelque chose d'incroyable, je vous en parle tout à l'heure. Et puis Émilie s'intéresse au monde de l'entreprise, mais plutôt aux entreprises qui privilégient le progrès social que le profit, hein, on va dire ça comme ça. Et là, vous avez eu envie de saluer une bonne idée. Exactement. Alors, Catherine, en fait, j'imagine que vous avez déjà entendu cette phrase qui dit « Nous n'avons pas dans la vie deux fois la chance de faire une bonne impression ». Moi, c'est ce que me répétait sans cesse ma grand-mère quand j'étais petite, parce que l'apparence, ça compte. Et surtout, ça compte dans le monde de l'entreprise, vous qui connaissez bien le monde de l'entreprise. C'est vrai. Parce que quand on est à la recherche d'un emploi, quand on est demandeur d'emploi, eh bien, on n'a pas toujours les moyens de s'habiller, d'avoir le bon costume ou d'avoir le bon tailleur. Et surtout aussi, parfois, on ne connaît pas les codes vestimentaires attendus par les employeurs. Eh bien, il y a trois jeunes qui se sont intéressés à ce sujet, qui ont fait ce constat qu'il y a une discrimination sur l'apparence. Et ils ont fondé une association qui s'appelle la Cravate Solidaire. C'était il y a 3 ans. Et cette association, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des dons de vêtements et elle aide les demandeurs d'emploi français à s'entraîner pour des entretiens d'embauche. Alors, est-ce que ça marche? Et comment est-ce que ça marche? Eh bien, je vous propose tout de suite de regarder le reportage qui a été réalisé par Rita Schrebi.
Aujourd'hui, l'apparence est une des premières causes de discrimination à l'embauche, c'est-à-dire la tenue vestimentaire, la présentation générale, la façon dont on arrive dans l'entreprise. Et on s'est dit, comment font des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer cette tenue pour se présenter en entretien? Comment font des personnes qui n'ont pas les codes verbaux et non-verbaux des entreprises, parce que c'est pas inné? Et donc, on a décidé de monter une association pour aider ces personnes-là. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il y a une équipe de tournage. Ça te dérange pas d'être filmée pas du tout. Pour l'atelier? Bon, c'est pas top. Non, non, ça va, pas du tout. Ça bon, c'est gentil en tout cas. Je suis arrivée de Côte d'Ivoire, cela fait un an. Ça fait 6 mois pratiquement que je suis en recherche d'emploi. Voilà, et en fait, comme je n'ai pas de propre expérience en France, voilà, j'ai encore vraiment beaucoup de difficultés à ce niveau. Donc c'est avec Pauline, qui est conseillère en images, que tu vas d'abord trouver ta tenue. Ok, il n'y a pas de souci, je suis prête alors. On y va. La maison n'accepte pas l'échec. Petit jeu de mots. Mais donc voilà, il n'y a pas d'a priori, pas de discrimination. C'est tu viens comme tu es et tu repars normalement avec les mêmes chances que d'autres à l'extérieur qui n'auraient pas eu besoin de venir ici, quoi. Je t'en prie, bienvenue dans la caverne d'Ali Baba. T'es plutôt jupe, pantalon, t'as une préférence? Je sais pas, je vais voir. Ouais. Bon, plutôt noir, je pense. Oui. Ok, très bien. J'essaie vraiment de m'habiller en conséquence lors des entretiens, mais je pense que j'ai pas aussi assez de moyens pour cela, quoi. Alors moi, si je trouve que le blanc, c'est pas trop. C'est pas génial. Les vernis, c'est ouais. Ouais, c'est mais c'est plus le blanc. Je trouve qu'elles ont un côté un peu. Okay, ouais, un peu festif. Tu peux te dire oui, je connais, voilà, et puis voilà, ça concorde pas, il faudrait pas se tromper. Moi, je trouve que c'est un peu court. Personnellement, pour un entretien d'embauche, je serais quand même un peu mieux juste au-dessus du genou. Ok, bon, je ferme. Waouh! Alors? Super. Tu te plais? Oui, très bien. Les couleurs aussi? Oui, la ça taille, va, tout ça? Ça se m'est arrivé. Ce que j'aime bien, en fait, c'est surtout ceux qui rentrent et qui sont un peu très mal à l'aise d'être là, un peu perdus, qu'est-ce que je fais ici, comment ça va se passer, et qui tout d'un coup repartent hyper contents, bien dans leurs vêtements et avec le sourire, quoi. Merci. C'est ce changement-là, en fait, qu'on observe qui est super sympa. Mm. Ok, vas-y, c'est parti. Je pense qu'en France, il y a une vraie solidarité et c'est pas pour rien qu'on a 100 mètres carrés de vêtements. C'est parce que voilà, les gens nous donnent, les entreprises nous donnent. Super! Ça a été en bas? Oui, ça a été. Ouais, top. Bah écoute, ça te va très très bien. Merci. Donc si t'es prête, tu passes à l'entretien? Oui, c'est parfait, on peut y aller. Et la solidarité, elle existe. On a plus de 200 bénévoles à Paris. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui se libèrent du temps sur leur temps de travail. Et l'association, elle est essentiellement basée sur sa communauté de bénévoles. Je te présente Elodie et Daniel. Enchantée. Bonjour. Et donc c'est avec elle que tu pourras passer ton entretien. D'accord. T'es prête? Oui. On vous laisse. Suivez-nous. Le but de cet entretien, c'est de pouvoir en fait vous faire un entretien blanc. D'accord. Pour vous aider à vous préparer au mieux pour vos futurs entretiens. On sera amené de toute façon pendant l'entretien certainement à vous poser des questions pour que ce soit plutôt sous forme d'échange que de monologue. D'accord. Okay. Et encore une fois, on n'est pas là pour vous juger, on est vraiment là pour vous donner des clés pour vos futurs entretiens. D'accord. Okay. Ça fait beaucoup de bien de pouvoir échanger parce que lorsque tu es dans ton coin, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas de conseils, voilà, tu te dis est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est parfait, c'est bien, est-ce que je ne me trompe pas, voilà. Donc, dans ce cadre de l'accompagnement, c'est une manière, dans un premier temps, pour une personne de pouvoir échanger. Quand vous échangez, vous avez la possibilité d'avoir, en fait, des conseils, d'être sûr de ce que vous faites, en fait, de ne pas douter de ce que vous faites. Moi, c'est Diakité Matata. En fait, j'ai un BTS en gestion commerciale, c'est-à-dire un bac scientifique CRVT obtenu en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et un BTS en gestion commerciale. En fait, c'est ce que je recherche aujourd'hui, avoir un boulot stable, voilà, pour pouvoir vraiment m'affirmer en tant que personne et vraiment poursuivre mes objectifs si possible, vraiment.
sur toutes les personnes qui sont passées en 2015, on en a 70% qui ont réussi leurs entretiens. C'est quelque chose dont on est fier. Et même si, évidemment, c'est eux qui ont fait tout le travail le jour J, mais on se dit qu'on a peut-être été le petit coup de boost à la fin et qui leur a permis d'être hyper à l'aise en entretien et de le réussir. Formidable, on va parler des résultats, Émilie. Les habits, ils les gardent ? Alors oui, bien sûr, ils les gardent. En fait, c'est un espèce de package. Donc vous arrivez là-bas, vous êtes complètement pris en charge. Donc on vous donne deux tenues pour préparer vos futurs entretiens. On vous aide pendant une heure à préparer cet entretien avec des spécialistes en ressources humaines, qui sont donc des bénévoles. Il y en a 200 aujourd'hui en France qui travaillent bénévolement pour la cravate solidaire. Parce que ça existe partout en France. Hein. Alors pas encore partout, mais il y a 6 villes déjà en France qui accueille donc cette association au Mans, à Dijon, à Rouen, à Lille, à Paris et à Lyon. Et après, il y a aussi une annexe en Belgique, à Bruxelles. Et les vêtements viennent d'où ? Qui peut donner ? Est-ce que, par exemple, moi, je peux donner des vêtements ? Et donc, on s'adresse à qui ? On procède comment ? Alors, en fait, donc, les particuliers, donc, comme toi, Sophie, peuvent donner des vêtements. Effectivement, bien sûr, en plus, on en a plein dans nos placards, parfois, qui sont inutilisés. Donc, c'est génial parce que ça donne une seconde vie aux vêtements. Donc, on est aussi dans une démarche de développement durable. Ouais. Les entreprises organisent des collectent aussi en leur sein, donc qui mobilisent donc les salariés et après donc font venir l'association qui vient récupérer les vêtements. Donc elle se déplace, elle vient même chez des particuliers. Même chez des particuliers quand vous avez une certaine quantité, et sinon vous allez les déposer vous-même au sein de l'association. Mm-hmm. Il y a quasiment une tonne de vêtements qui ont été collectés, donc c'est énorme et c'est vraiment, enfin quand vous voyez ce qui est dit, c'est que c'est un coup de boost. Ouais. Voilà, c'est... Alors, est-ce que ça marche ? Parce qu'on voyait donc cette préparation à l'entretien. Est-ce que ça donne de bons résultats ? Alors, en 2015, sur les 400 personnes qui se sont rendues à la cravate solidaire, 70% ont réussi leur entretien. Alors, qui peut postuler, justement ? Qui peut prétendre être préparé à un entretien et trouver des vêtements comme ça ? Il faut que vous soyez demandeur d'emploi et de préférence que vous ayez déjà un entretien en ligne de mire, parce que comme ça, vous allez pouvoir vous préparer. Comment ça se passe ? Vous envoyez un petit mail cette association. Donc vous allez retrouver donc ce mail sur le site 2001 vies après. Mmh. Ou sinon, vous avez une autre possibilité, c'est que si vous voulez connaître l'association, vous pouvez vous rendre aux nombreux événements qu'ils organisent. Et là, vous pouvez retrouver ces rendez-vous sur les réseaux sociaux. Très bien, belle initiative. Moi, je trouve fantastique qu'ils leur donnent en plus, qu'ils leur font, qu'ils les font. Qu'ils les forment sur. Oui, qu'ils les forment. Je trouve ça formidable. Parce que le vêtement est une chose, mais le phrasé en est une autre. Voilà. Hein. Alors qu'ils les forment, qu'ils leur permettent de prendre confiance en eux et d'avoir une bonne estime d'eux pour aller passer un entretien. Ouais. Brigitte, c'est ce dont tu vas nous parler aussi. Et là, ça concerne les femmes qui sont atteintes de cancer, qui suivent des traitements, qui perdent leurs cheveux. Et déjà, c'est compliqué d'être confrontée à l'idée de la mort, de cette angoisse-là. Exactement. Mais en plus de perdre sa féminité en perdant ses cheveux, c'est vraiment compliqué. Et donc, cette initiative est là pour leur redonner leur dignité et leur féminité. Donc, c'est une association qui s'appelle Solidaire. Alors, Solide, S-O-L-I-D, H-A-I-R, Fino. Hein. Et donc, oui. Et donc et cette association est à but non lucratif. Ouais. Il suffit d'un seul geste, vous faites couper les cheveux dans des salons qui sont partenaires, il y en a 730 en France, et ces cheveux sont récoltés par une association qui les donne à des perruquiers. Et grâce à l'argent qu'ils récupèrent, ils donnent cet argent à des personnes qui n'ont pas beaucoup les moyens, ils ne peuvent pas se payer une vraie perruque. Ouais, c'est ça le problème, parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est pas toujours remboursé, normalement c'est remboursé. Alors, quand même. 125 euros par la Sécurité sociale. Si on veut une perruque de bonne qualité, qui ne gratte pas trop et qui soit élégante et féminine. Exactement, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Parce qu'en plus, les perruques qu'on peut vous vendre à 50 euros et qui viennent de pays dont je tairai le nom par charité, eh bien, effectivement,
seulement elles grattent, mais aussi elles ont plein de produits chimiques. Et quand on est malade, quand on a un cancer, on est hyper fragile, fragilisé. Et il ne faut pas utiliser des perruques comme ça. Alors, vous parlez de ces salons. Donc, on va dans des salons particuliers. Comment on les reconnaît, ces salons? Alors, je vais vous montrer. D'abord, je vais vous dire que cette idée a été est l'idée d'une jeune femme. C'est une femme, Sophie. Mais elle-même, elle a eu un problème de pas du tout. Elle venait d'avoir un dernier enfant et elle s'est dit, s'est coupée les cheveux pour changer de tête. Ouais. Et elle s'est dit ça. Elle s'est dit quel dommage de jeter ça. Il y a des conditions, Brigitte. Ça s'adresse à n'importe qui, n'importe quel type de cheveux ou Alors il faut couper au moins 25 cm. C'est-à-dire que moi, je suis pas possible. Vous et moi, c'est raté. Je crois que personne ici ne peut, même pas toi. Il faut les avoir plus longs. Donc, il faut vraiment avoir les cheveux longs. Il faut avoir des cheveux longs. Oui. Et il faut surtout que ce soit des cheveux naturels et surtout pas colorés. Ah ouais. Oui, il y a même pas de mèche, rien du tout. D'accord. Donc c'est quand même, il y a beaucoup de critères. Ouais. Et ils ont quand même beaucoup de. Ils arrivent à récolter beaucoup d'argent. Comment ils récoltent de l'argent? Vous dites qu'ils arrivent à récolter beaucoup d'argent. En vendant ces cheveux à des perruquiers. D'accord. Les perruquiers leur donnent l'argent et cet argent-là, ils le redistribuent à des femmes en difficulté. D'accord. Et ils leur donnent leurs 300 euros. Ça fait 425 euros avec l'argent de la Sécu et ça permet d'avoir des belles perruques. Mmh. Et ils ont un souci dans cette association, c'est qu'ils n'ont pas cette demande parce que les gens ne savent pas que ça existe. Ah ouais. Donc, les femmes qui sont malades, qui nous entendent, elles peuvent aller sur le site et pouvoir avoir accès à cette... À ses perruques. Alors, si on veut donner ses cheveux, on va dans quel salon, Brigitte? On n'a pas vu le logo. Alors, attends. Voilà, vous avez ce logo. D'accord. Solidaire. Solidaire. Et voilà, et vous allez. Et vous pouvez aller vous leur porter. Même vous pouvez même vous couper les cheveux, à condition de le faire bien proprement, parce qu'il faut surtout que ce soit bien droit. J'ai une question à poser. Est-ce que la coupe est gratuite? Oh, très bonne question, j'ai oublié. Oui, les coiffeurs s'engagent à offrir la coupe. Voilà. Vous, le donateur, payez votre shampoing et le brushing. D'accord. Mais eux, ils offrent la coupe. Ah, ils offrent la coupe. Ouais. Pour trouver les coordonnées de cette association magnifique. Oui. Alors, nous allons les trouver sur notre site internet. Voilà. Sur les sites de Mille et Une Vies. Voilà. Et puis donc, pour aller vous faire couper les cheveux, vous avez des cheveux longs, rendez-vous dans un salon de coiffure qui porte... Le logo. Voilà. Merci, Brigitte. Eddy. Merci à vous. Alors, Eddy, toi, t'as été... séduit par une initiative dans les banlieues, une initiative de solidarité envers les migrants. Exactement, les migrants ainsi que les sans-domicile. C'est-à-dire que, vous savez quoi, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire et je vous préviens dès maintenant, c'est une histoire vraie. Alors cette histoire, elle commence avec Malik. Malik, c'est lui. Malik, il est chauffeur. Chauffeur-livreur ? Voilà, chauffeur-livreur. Voilà. Et un jour... Il est en train de travailler et puis il passe devant une famille de réfugiés. Et là, il voit une femme qui est en train d'allaiter son enfant. Et cette femme, dans sa tête, ça fait tilt. Elle ressemble étrangement à sa mère. Il se dit, cette femme, ça pourrait être ma mère. Et cet enfant, ça pourrait être moi. À partir de là, donc, il rentre chez lui à Sarcelles. Il voit ses potes. Il discute avec eux. Il discute de ce qu'il a vécu. Il dit, les gars, moi, ça m'a fait quelque chose quand même. Il faudrait qu'on fasse quelque chose pour aider ces réfugiés. Ils sont tous d'accord, ils disent oui, tout de suite, il n'y a pas besoin de discuter. Et là, ils vont dans tout leur quartier de Sarcelles, ils toquent aux portes, ils demandent à tous les habitants de les aider, donner un peu de sous, donner à manger, donner un peu de temps pour aller nourrir ces réfugiés, en fait, pour aller leur donner à manger, pour faire des repas. Et donc, voilà, aussitôt dit, aussitôt fait, ils font un local, ils commencent à faire la cuisine, donc alors voilà, ils font des couscous, ils font des sandwichs, ils cuisinent tout pour les réfugiés. Et il va les voir, il va à leur contact, il va leur donner en fait tout ce qu'ils viennent de faire. Alors c'est quelque chose de formidable et je vous propose de l'écouter. Regardez, hop, une petite vidéo. Ouais. Donc là, voilà, là ils distribuent en fait aux réfugiés tous les repas en fait qui viennent de faire quoi, qui viennent de faire et qu'ils ont récolté. C'est la distribution qui se passe comme ça là. On a essayé de faire comme on a pu, il y a encore beaucoup de sans-abri qui n'ont pas encore mangé, mais bon, on a fait le nécessaire, on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire. Et voilà, on invite à tout le monde de le faire, quoi. Voilà. Et il dit quelque chose de très très fort à la fin, on invite tout le monde à le faire.
Donc alors, c'est Malik qui a lancé cette association. C'est Malik qui a... C'est pas une association. C'est ça qui est fort en plus. C'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. C'est juste une initiative. Ça s'appelle un collectif ou je sais pas. Voilà. Ça s'appelle une idée. Ça s'appelle une idée qui s'est concrétisée, en fait. D'accord. Parce que... Mais après, il faut une logistique, une infrastructure, quand même, pour... Mais non. C'est lui, c'est juste, voilà, il s'est dit, j'ai un projet, j'ai une idée, il faut faire quelque chose, je vais dans mon quartier, je demande à mes potes de le faire. Et alors, donc là, déjà, l'initiative, elle est exceptionnelle. Mais sauf que ça va plus loin. Ça a fait un buzz. Il y a en quelques semaines, il y a eu plus de 100 000 vues, plus de 130 000 vues. Les gens ont tout de suite adhéré au concept. Et ce qu'il y a, c'est qu'à la fin, il propose aux autres quartiers donc de Sarcelles de le faire, de relever le défi. Il appelait ça un grand défi. Mmh. Les autres quartiers ont dit OK, très bien. Il y a combien de quartiers en fait qui ont relevé le défi? Alors, ce qu'il y a, c'est que il y en a beaucoup. Au début, donc dans Sarcelles, donc il y a tous les quartiers. Oui, voilà, tous les quartiers, tout le monde, toute la planète. Ce qui est intéressant aussi dans l'initiative de Eddy, c'est que on critique dans l'initiative présentée par Eddy, c'est que on stigmatise quand même beaucoup les banlieues. Voilà. Sarcelles, voilà, quand vous entendez Sarcelles, vous savez quand même que globalement, c'est pas Versailles. Donc, ce qui est intéressant, c'est la mobilisation de ces quartiers qui sont plutôt des quartiers stigmatisés et mal aimés, et de voir que ces jeunes qui sont plutôt pointés du doigt comme généralement ceux qui font pas grand chose, et ben en fait sont les premiers à se mobiliser pour les autres. C'est admirable. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que ils ont commencé voilà dans un quartier, et ensuite ils ont parlé directement à leurs potes. C'est-à-dire à leurs potes des autres quartiers. Mmh. Ce qu'il y a, c'est qu'après, c'est sorti, justement, de Sarcelles, sorti de la banlieue. Mmh. Ça se fait à Toulouse, ça se fait à Aix-Marseille, ça se fait même à Toulon. Ah bon. Mais toujours c'est dans des zones de banlieue ou dans des quartiers. Là où il y a des réfugiés. Ça se fait là où il y a, réfugiés, là où il y a besoin, en fait, tout simplement. Mmh. Et ce qu'il y a qui est super fort, ce que le mec disait, c'est justement, il n'est pas une association, il ne fait pas ça dans un but religieux, il ne l'a pas lu dans un bouquin qui lui a dit, c'est la parole de Dieu, il faut que tu fasses ça. Mm. Non, ce qu'il y a, c'est qu'il l'a fait parce que c'était humain. Mm. Et ouais, moi, justement, comme Émilie le disait, moi j'entends partout en banlieue, voilà, dans les banlieues, c'est quoi? C'est des racailles. Mm. Et bien si Malik, c'est une racaille, moi je veux être une racaille aussi. Ah, parce que là... Bravo. Je signe tout de suite. La conclusion. Maintenant, ça va être racaille. Tout ça, c'est un problème avec la police, parce que c'est illégal de toute façon. Même si c'est très bien, on sait que tous ces actes-là sont illégaux. C'est illégaux. Eh bien, alors, on est des révolutionnaires. Oui. Oui, non, mais c'est comme d'aller... Qu'est-ce qui est illégal, sur le fond, si quelques-uns se réunissent... D'aider les réfugiés, de les loger chez soi, c'est malheureusement illégal. On ne loge pas, là, on donne à manger. Oui, non, mais aussi... pour le moment. Si on va plus loin... Des rassemblements sur la rue, même de faire des consultations. Dimanche dernier, j'ai aidé à faire des consultations à Stalingrad. On sait que c'est illégal. Des consultations médicales? Oui, on sait que la police peut très bien venir et nous déloger. Ouais, mais les policiers sont humains quand même à un moment donné. J'ai logé aussi une famille d'Afghans chez moi pendant 4 jours. Je sais que c'est illégal. Et vous osez le dire à la télévision. Et je voulais surtout dire, dire que c'était très facile et qu'il fallait vraiment le faire. Voilà. C'est très facile. C'est qui la famille que vous avez logée? C'est une famille d'Afghans qui venait d'arriver de Kaboul. C'est une maman de 56 ans avec deux grands garçons, 23 et 21 ans. Leur père avait été assassiné à Kaboul. Une des filles avait été enlevée par les talibans, dont ils n'ont plus du tout de nouvelles. Et ils arrivaient, ça faisait 5 mois qu'ils étaient partis, et donc ils arrivaient depuis 2 jours à Paris. Et on m'a demandé les loger. Mais qui vous a demandé? Vous êtes en contact avec une association? C'est un collectif, pareil, qui s'occupe des réfugiés et qui m'a demandé si je pouvais les recevoir pendant 4 jours, ce que j'ai fait. Mmh. Et même si, bon, c'est pas beaucoup, 4 jours, mais c'est... Et après, ils sont partis dans une autre famille. Mmh. Donc, en fait, voilà, ce serait bien de trouver des familles qui puissent les loger même pour 3-4 jours. C'est bien, si toutes les familles le font, eh bien, voilà, ils seront pas dehors. En tout cas, sens de belles personnes en vous, des personnes tournées vers les autres, des personnes qui œuvrent pour faire changer les regards et les mentalités. Donc je crois que tout ça peut s'applaudir, y compris toutes les initiatives que vous avez soulignées aujourd'hui. Merci encore d'être venue nous voir, Catherine. Vous pourrez vous reporter à ce récit de cette prison pendant 30 ans, une prison sans mur, c'est le titre de votre livre, Comment j'ai vaincu mon agoraphobie. Merci d'avoir eu le courage de venir témoigner. Merci. Pour renseigner les autres et pour faire en sorte que d'autres ne restent pas aussi longtemps emprisonnés, justement. Merci beaucoup. J'aime bien cette phrase de Saint-Exupéry, « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire avec votre profession. On vous souhaite de trouver l'amour pour être totalement épanoui. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous tous. Merci. Merci.
Si vous aimez les belles rencontres, lundi vous serez frappé par le témoignage d'Alimata. Petite fille, cette Française d'origine sénégalaise est victime d'une tradition barbare, l'excision. Traumatisée et étreinte d'une honte profonde, Alimata taira longtemps son histoire avant d'entamer une lente reconstruction. Aujourd'hui, elle tient à montrer qu'on peut renaître après une telle barbarie. On avait été dans le village de ma mère, j'avais vu ma grand-mère. Je m'en souviens encore de cette phrase. Elle disait, il va falloir que ça se fasse. La peur, elle commence quand elle sort un couteau. On vous écarte les jambes et le coupe, c'est atroce quoi. De toutes ces épreuves, eh ben, j'en ai sorti une force. Tu es plus qu'une femme qui a été excisée. Tu es beaucoup plus que ça. On peut toujours trouver de la lumière dans les choses les plus atroces.